Si nous t'aimons, s'accorder le Dieu. Si nous t'aimons, s'accorder papa. Soro, si nous t'aimons, s'accorder le Dieu. Faut pas trahir papa. Soro, faut pas trahir le Dieu. Soro, Dieu. Le Dieu n'a pas trompé papa. Kakabé n'a pas trompé le Dieu. Soro, faut pas tromper papa. Solo, faut pas tromper le vieux. Faut pas tromper. Faut pas trahir le vieux. Solo, tiens. Faut pas trahir papa. Solo. Faut pas trahir ado. Solo. Faut pas trahir ado. Si nous t'aimons, t'accorder ado. Solo. T'accorder ado. Sabarisa n'a pas trompé, le Dieu n'a pas trahi Babo, Akabé n'a pas trahi Bété. Soro Kamkwa, Soro Kamkwa. C'est comme un mystique. Ah. Si nous t'aimons, ça coûte. Si nous t'aimons, ça coûte. Ado. Faut pas trahir papa. Faut que vous allez à l'estime. Ah. Regarde ce que vous avez. Moi, je vais faire vidéo dans les gens. La cabine n'a pas trahi papa. Je vais faire des vidéos. Pas de problème avec papa. Non, non, pas. Solo pour trahir le Dieu. Faut pas payer les gens pour insulter papa. Lui, faut pas payer les gens pour insulter papa. Faut pas payer les gens pour insulter papa. Ma voix est bizarre, ma voix est bizarre, ma voix est bizarre, ma voix est bizarre. Ma voix est bizarre. Comme toi, faut pas trahir le Dieu. Solo. Faut pas trahir papa. Faut pas trahir papa. Si nous t'aimons, ça coûte de papa. Si nous t'aimons, ça coûte de papa. Si nous t'aimons, ça coûte de Dieu. Solo, faut pas trahir papa. Le Dieu n'a pas trahi papa. Le Dieu n'a pas trahi le Dieu. Tu as du miel. Hein. Tu as du miel, comment ça va mauvais? La ferme ta gueule. Hein. Faut chanter. Là. C'est comme Hermans RSK. Ma voix est mielise. Il faut pas trahir. Si nous t'aimons, ça coûte papa. Soro, si nous t'aimons, ça coûte le Dieu. Faut pas trahir papa. Soro, faut pas trahir le Dieu. Soro, Dieu, le Dieu n'a pas trompé papa. Kakabé n'a pas trompé le Dieu. Soro, faut pas tromper papa. Soro, faut pas tromper le Dieu. Est-ce que vous le connaissez? Faut pas tromper. Je connais pas l'artiste là, mon cher. Voilà, c'est un artiste. Un artiste en. C'est pas un artiste en neb, c'est un artiste en brousse. Voilà. Bonsoir les frères. Bonsoir messieurs. Voilà. Première vidéo directe de 2020. 2020. Voilà, je vais profiter de cette vidéo pour souhaiter mes voeux les plus sincères à tous ceux qui me suivent de loin ou de près. Voilà. Que l'année 2020 soit une année de paix. Voilà. Que cette année nous apporte du bonheur. Que cette année apporte la stabilité dans notre pays. Et que tout Ivoirien soit à l'abri de certains besoins. C'est-à-dire, même si tu es au village, que tu as envie de manger ignam, tu dois avoir les moyens. Et tout ça passe par les hommes politiques. C'est eux qui peuvent assouplir la vie du peuple.
tant qu'ils auront un cœur de pierre, on ne pourra pas aboutir à ces fins-là. Parce que nous, notre souhait, c'est de voir les Ivoiriens être heureux. Voilà, un Ivoirien qui peut manger 3 fois par jour, c'est l'essentiel. Mon président Sam, l'Africain, c'est comment? Kofi Richard, Sekou Diaby. Bon les gars, vous ne voulez pas faire vidéo. Voilà, je ne vais pas faire vidéo, mais je suis venu devant vous. Moi, mes heures de vidéo, c'est 11h. Mais là, il est 23h. 22h heure d'Abidjan, 23h heure de Paris. Alors, comme pour moi, ça ne reste pas étranger. Raison pour laquelle je suis devant vous ce soir, voilà, pour décortiquer l'actualité politique qui prévaut en Côte d'Ivoire. Voilà. Par rapport au message de Cyril Guio. Moi, ce n'est pas le message qui m'importe. Voilà. Moi, le message ne m'importe pas. Soro lui-même, le message ne l'importe pas. Voilà. Soro lui-même, le message qu'il a lancé ne l'importe pas. Voilà. Mais comme vous n'êtes pas politologue contre moi, comme moi, je vais essayer d'expliquer le but du message de Soro. Voilà. Au fait, c'est quoi? Nous sommes en politique. Et de nos jours, par l'avènement des réseaux sociaux, voilà, les gens font plus la politique sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, la politique de maintenant est basée sur la communication. Il faut communiquer. Voilà. L'une est censée ignorer qu'en Europe, là, avant que les élections se déroulent, il y a ce qu'on appelle sondage. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez. Sondage, là. Quand on dit sondage, là. Voilà. C'est un rôle prépondérant dans les élections. Quand on parle de sondage, on dit on fait des sondages. Lui là, il est majoritaire. Lui là, sa cote a baissé. Voilà. Ça compte beaucoup dans les élections. Mais il y a des moutons qui ne comprennent pas ça. Voilà. Élection de 1995 avec élection de 2020, c'est pas pareil. Voilà. Maintenant, il y a la communication, il y a les réseaux sociaux qui rentrent en ligne de compte. L'autre là, il ne sait pas qui. Donald Trump. Pourquoi il a été élu? Voilà. Bien vrai que les sondages n'étaient pas favorables aux sondages, mais sa communication sur les réseaux sociaux a surpris les gens en telle enceinte qu'il a été élu président. Voilà. Donc, de nos jours, la communication sur les réseaux sociaux compte. Voilà. Pareil, je suis pour le président français, Macron. Comment il a été élu? Voilà. C'est une communication. Voilà. Sur les réseaux sociaux, dans tous les médias. Voilà. Donc, ça compte. Ce n'est pas une question de dire non, les militants, la communication compte. Voilà. Je vois des gens qui sont fixes sur Facebook. Non, c'est pas vidéo, c'est une vidéo préenregistrée. C'est une vidéo préenregistrée qu'il est venu proposer. Mais vous êtes bête ou bien, je ne sais pas. Oui, mais à la place des réseaux, à la place des vidéos préenregistrées, c'est un robot qui parle à sa place, ou bien c'est pas Soron qu'on va parler. À la place de l'homme qui parlait là, c'était un robot ou bien c'est un solo qui parlait. Nous, je ne comprends pas, expliquez-nous. Je vois des gens faire des vidéos. Non, c'est vidéo préenregistrée. Bon, vidéo préenregistrée. Mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui qui parle? Venez expliquer. Est-ce que c'est pas lui qui parle? En fait, Solo a tenté. Il a prévu de faire son direct à 20h GMT. Voilà, pour court-circuiter celui de Ouattara, voilà, et de montrer à l'opinion internationale et nationale qu'il est populaire. Voilà. Voilà. C'était une tactique de sondage. Voilà. Parce que de nos jours, là, dans les élections, là, les sondages comptent. Voilà. Nous, on s'en fout de si ces vidéos pour enregistrer. Tout qu'on fait, c'est en direct. Voilà. Ils ont les machines, c'est fini, parler, pour enregistrer. Bon, on peut te mettre en direct. Voilà. Si vous suivez les vidéos de Gideon, là, c'est en direct. Mais comme il a des spécialistes pour pouvoir changer d'angle de vue, tu vas penser que c'est un montage. Non, mais il est en direct, mais souvent il change d'angle. J'ai vu des gens qui sont venus étaler des idioties
sur la toile, ce qui m'a beaucoup offusqué. Voilà. Donc, juste vous dire, ce à quoi on a assisté hier, là, c'était une histoire de sondage. Parce que sur les 13 stratèges. Voilà. Parce qu'ils savaient qu'à 20h, Ouattara allait faire son message. Lui aussi, il a profité aussi pour lancer aussi son message à 20h. Pour que le plénum national et international puisse voir qui est influent. Les gens qui disent non, que les réseaux sociaux, qu'il fallait qu'ils parlent à la télévision. Mais si le gars n'est pas au gouvernement, tous les canaux sont bons pour transmettre son message. Que ce soit par tam-tam, que ce soit par les pigeons, tous les canaux sont bons pour transmettre son message. Mais lui, ce n'est pas son but. Lui, c'était, il a fait cette vidéo dans l'optique du sondage. C'est pas ça que tu comprends. Voilà, le second du sondage, c'est pour voir qui est populaire, voilà, qui mobilise. Et hier, on a vu que le drama ne pèse rien. Voilà. Les gens qui m'ont dit, non, il y a vu des commentaires bidons là. Non, Ouattara a parlé à la télévision, que c'est pas Facebook, qu'on s'en fout de Facebook. Mais si vous en foutez de Facebook, pourquoi son discours a été retransmis sur Facebook? Si vous vous en foutiez de Facebook là, pourquoi lui son discours a été transmis sur Facebook? Voilà. Vous voyez, chacun utilise son canal pour s'exprimer. Si vous aviez la radio, vous avez la télévision. C'est-à-dire que vous êtes au pouvoir. Vous pouvez utiliser vos canaux pour pouvoir véhiculer vos messages. Maintenant, nous qui n'avons pas la télé, on n'a pas les moyens de se créer une radio. Facebook nous a donné l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Donc, quand je vois des moutons qui disent non, Soro a fait son message sur Facebook, Ouattara a fait son message à la télévision, que c'est Ouattara qui compte plus parce que. Non, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Facebook, c'est à l'international. Voilà. Et quand il a fait son direct, c'est pour court-circuiter celui de Ouattara. C'est pas ce qu'on a, c'est pas ce qu'on s'attendait par rapport à son message. On pensait qu'il avait venu faire des aveux. Mais c'est la politique. Il faut souvent user du dol. Au fait, c'est du marketing. C'est de l'achalandage. Voilà. C'est de l'achalandage. Donc, c'est ce qu'il a fait hier. Voilà. C'est ce qu'il a fait hier pour montrer à l'opinion nationale et internationale que Ouattara n'est pas populaire. Et c'était son but. C'était son but. Parce que de nos jours, les sondages participent dans les élections. Voilà. Et vous qui vivez en Europe, il n'y a pas quelqu'un qui me dira le contraire. Donc, de quoi parle-t-il? Je vois des gens qui sont là. Non, si vu Élisée, si on se servait de vue pour être président, je ne vois être président. Il ne s'agit pas de vue. Voilà. Il ne s'agit pas de vue. C'est juste un sondage pour montrer que je suis populaire. Voilà. Moi, dessin animé, je fais mon direct à 20h. Doromadou fait son direct à 20h. Lui qui aura plus de vues sera celui qui est plus populaire aux yeux de tous. Ça, c'est une logique. C'est une logique. Et de nos jours, les élections se passent par les sondages. Voilà. On sonde. Je ne sais pas si vous comprenez français. Quand on parle des sondages, là, voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, pourquoi vous offusquez? Que ce soit un discours préenregistré. Mais tout qu'on fait, c'est en direct. Le discours a été préenregistré. Même s'il lisait, Moi, il fait le discours ici, il y a mes feuilles ici. Où c'est? Mais étant direct. Voilà. Je fais le discours ici, il y a mes feuilles ici. Alors, est-ce que le message n'est pas passé? Le message est passé. Même si le gars, il lisait. Nous, on s'en fout de ça. Voilà. Le but a été atteint. C'était de montrer à l'opinion nationale et internationale que Dramane Ouattara est en perte de vitesse. Il n'est pas populaire. Ça, c'était l'objectif. Voilà. Donc, vous nous parlez de quoi? Vous n'avez pas fait école de politique. Et c'est vous qui venez. Non, ce n'est pas vu. Ce n'est pas Facebook qui peut faire. Et ça compte maintenant. La communication sur Facebook compte. Voilà. S'il y a eu le printemps arabe, là, c'est à cause de Facebook. Voilà. S'il y a eu le printemps arabe, c'est à cause de Facebook. Si Macron est devenu président, c'est à cause de Facebook. La communication. Pareil aussi pour Donald Trump. Voilà. Donc, de nos jours, la communication sur Facebook, ça compte beaucoup. Voilà. Communication sur Facebook, ça compte beaucoup. Voilà. Donc hier, c'était un sondage pour montrer à l'opinion nationale et internationale que Ouattara n'est pas populaire. Voilà. Donc ceux qui disaient, non, mais pourquoi il n'a pas fait les aveux? Mais c'est la politique. Il peut vous dire qu'il va faire les aveux, vous venez, mais lui c'est pour gonfler. C'est pour gonfler son aura, pour montrer aux yeux et aux yeux de tous que lui, il est populaire. Et c'est ça qui s'est passé. Et pas autrement. Voilà.
Donc c'est comme ça. C'est ça la politique. Non, c'est un jeu. Voilà. C'est un jeu, c'est comme ça. Voilà. Dès le jour, les sondages comptent. Voilà. Dans les élections, là, ça compte. Voilà. Vous avez deux exemples. Macron, pour être président, c'est passé sur les réseaux sociaux, avec la communication de son équipe. La communication sur Facebook. Et c'est comme ça. Voilà. Donc si vous vous retrouvez dans une situation, je ne sais pas, dans la préhistoire, sachez qu'aujourd'hui, là, voilà, les élections dans le monde entier, là, c'est basé sur la communication. Bien vrai qu'on a besoin d'électorat, on a besoin de gens pour venir voter, mais la communication d'abord doit passer afin de pouvoir galvaniser le tout. Et c'est comme ça que ça se passe. Et hier, quand il a fait son direct, il a choisi l'heure propice. Parce qu'il savait que l'autre faisait son direct à 20h. L'autre, il a profité aussi pour mettre son dossier à 20h pour voir maintenant qui est plus influent que qui. Voilà. En 54 secondes, il était déjà à 3500 vues, pendant que l'autre, il crapahutait à peine, mais il pouvait décoller même. À peine, il pouvait décoller. En 10 minutes, il était à 34 000 vues. Pendant que l'autre, en 10 minutes, en 21 minutes, il venait dans 5 000 vues. Voilà. Maintenant, ceux qui parlent du message, ceux qui parlent du fond du message, lui, ce n'est pas le fond du message qui l'intéressait. Ce n'est pas le fond du message qui l'intéressait. C'était pour juste montrer, comme il a l'air de toujours, montrer qu'il est plus intelligent que ses amis. Voilà. C'était pour juste court-circuiter Ouattara. Pourquoi Bédé a choisi de faire son direct à 19h30? Voilà. Pourquoi Blé Goudou a choisi de faire son direct le samedi? Voilà. C'est ça. Donc chacun essaie de se mettre où il peut le plus avoir d'adhérents. Et c'est une chose qui s'est passée. Maintenant, par rapport à la qualité ou bien au contenu du message, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne suis pas dans lui. Il a son programme, il sait comment il va gérer sa communication. Ou bien comment il va gérer ses aveux. Voilà, je vous ai dit, la politique, c'est comme un jeu du bluff. Voilà, on ne joue pas toutes les cartes. Voilà. On ne joue pas toutes les cartes. On ne joue pas toutes les cartes. Voilà. Chacun joue la carte qu'il arrange. Voilà. Donc sachez que maintenant là, les élections en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, les sondages ça compte. Voilà. Parce que si vous appelez les superviseurs, si vous appelez les superviseurs internationaux pour venir, je ne sais pas quoi, contrôler vos élections, ils vont tenir compte des sondages aussi. On tient compte des sondages dans les élections. Mais vous ne savez pas ça. Donc arrêtez de nous casser les couilles pour dire non. C'est vidéo préenregistrée, c'est pas vidéo préenregistrée, c'est pas ça le but. Le but c'est de montrer qui mobilise plus, voilà, qui est plus vu, qui est plus en vogue, c'est ça qui est la question. Voilà, c'était pour montrer que l'autre était en perte de vitesse. On veut comparer, non, l'autre a parlé à RTI. Mais s'il a parlé à RTI, c'est parce que la RTI c'est pour lui, l'autre choisit de parler sur Facebook. Maintenant, si vous estimez que Facebook n'est pas crédible, mais pourquoi vous avez retransmis votre direct sur Facebook? Voilà. Pour ne pas être comparable, il ne fallait pas que vous transmettiez vos directs sur Facebook. Alors, on est clair. Voilà. Donc, de nos jours, les élections sont faites à base de sondages. Voilà. Je ne sais pas si ça se comprend. Tano, il dit quoi? Comment tu peux comparer quelqu'un qui parle sur une chaîne TV préférer regarder notre télé que d'aller sur Facebook? Bon, toi, tu es un idiot. Les idiots, on ne répond pas aux idiots. Tu peux faire la télévision. Moi, c'est pas... Chaîne nationale, moi c'est pas chaîne nationale, ici c'est Facebook, mais ta maman est ici en train de commenter. Voilà, ta maman est ici en train de commenter. On parle de communication. Voilà, l'homme se met où il peut plus avoir d'aura. Voilà, c'est ça. S'il avait sa télévision à lui, c'est là-bas qu'il avait fait son direct. Donc vous nous parlez de quoi? On comprend pas. On comprend pas. Voilà, c'est juste montrer que Ouattara il est populaire, il n'est pas populaire. Et c'était ça le but à atteindre. Et le but a été atteint à travers ce sondage d'hier. Voilà, les deux, c'est une course de chevaux. Voilà, à 20h, on doit faire un direct. On verra qui est populaire. C'était l'objet de sa vidéo. Voilà. Si vous n'avez pas compris encore, moi je vous explique. Voilà, c'était pour montrer au peuple de Côte d'Ivoire
et à la communauté internationale que Ouattara, il est fini. C'est tout. C'était le but de sa vidéo. Voilà. Et c'est clair. Il n'a pas besoin d'avoir Bac plus 35 pour savoir que c'était le but de sa vidéo. Voilà. Parce qu'il savait qu'il allait le cuisiner. Voilà. C'est tout. Donc maintenant, c'est qu'ils viennent faire vidéo pour dire non, c'est une vidéo pour enregistrer. C'est une vidéo. Non, on s'en fout de si c'est une vidéo pour enregistrer. Voilà. C'est pas Robot qui parlait. Lui qui parlait, c'est pas Poupée Barbie qui parlait. Voilà. Vidéo pour enregistrer, mais c'était en direct. Voilà. Parce qu'on appelle ça une retransmission. Il a choisi 20 heures pour retransmettre sa vidéo pour enregistrer, mais en direct sur Facebook. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On a parlé ça en chinois, bien, on sait pas, en japonais. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, les gars? Ou bien on parle comment? On vous explique ça comment? Zaza, il y a 20 millions d'Ivoiriens en direct de la RTDC. Monsieur Ouattara n'a pas transmis son direct sur son compte Facebook. Car contrairement à Soro, lui n'a pas de compte Facebook. Dis ça, ça c'est une question idiote. Hein. Voilà, c'est une question idiote. Voilà. C'est une question très idiote. Voilà. Je vais te répondre. Macron, là. Macron, quand il fait son discours, là, c'est retransmis sur BFM, en même temps sur sa page Facebook. Donald Trump, là, quand il fait son discours, là, c'est retransmis sur les CNN, en même temps sur sa page Facebook. Donc, tu me parles de quoi? C'est pas si tu se comprends. Tu me parles de quoi? Patrice Talon, quand il fait son direct à la télévision, là, sa télévision, là, c'est aussi retransmis sur Facebook, sur sa page Facebook. Voilà. On te parle de communication. Peu importe où on communique, mais on vous parle de communication. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Tu me dis, oh, mais on va tramer la page Facebook aussi. Pourquoi on n'a pas retransmis son direct sur la page Facebook et puis c'est sur la page Facebook de RTI? Ça peut être RTI l'appartient. La page RTI l'appartient. Vous voyez, c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui est le chef suprême. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ou bien quand Macron fait ces directs-là, quand Macron parle sur BFM-là, mais c'est retransmis sur sa page. Autrement dit, on peut dire, ah non, Macron, comme tu as page Facebook, tu passes sur ta page Facebook, il faut laisser BFM. Ou même soit, parce que tu passes sur BFM, c'est la télévision nationale ou internationale, il ne faut pas qu'on retransmette sur Facebook. Ah tiens les gars, soyez réfléchis. Je ne comprends pas. Le français est compliqué pour vous, hein, je ne comprends pas. Voilà. Donc, pour récapituler, voilà. Sachez que de nos jours, les élections en Afrique, en Europe, partout dans le monde, sont basées sur les sondages. Et hier, on a vu les sondages. Ouattara, il est impopulaire en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, c'est tout. Voilà. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous devez retenir, c'est tout. Un point très. Voilà. Maintenant, ce que vous dites, ah, ne lie pas quelqu'un à la présidence. Non, on s'en fout de ça. Voilà, nous, c'est pour montrer à l'opinion internationale que Ouattara, il est populaire. Et c'était le but de la vidéo. Voilà. Le but, c'est de court-circuiter lui son direct. C'est tout. Voilà. Maintenant, ceux qui me disent, non, mais c'est la télévision nationale. Je suis d'accord avec vous. Mais la télévision nationale, c'est parce que lui peut communiquer là-bas. Si d'autres pouvaient communiquer là-bas, ils allaient communiquer. Mais si une télévision nationale, on ne peut pas faire un sondage. Voilà. On ne peut pas faire un sondage. Puis on ne sait pas qui a allumé sa télé, qui n'a pas allumé sa télé. Donc, soyez un peu réfléchis. Voilà. Donc, quand on passe sur Facebook, c'est pour faire des sondages. Parce que de nos jours, les élections là, le sondage ça compte. Vous ne savez pas ça? Ou bien vous faites exprès? Ce qui est sûr, les Ivoiriens étaient sur la chaîne TV. Non, site. Bon, les Ivoiriens, ça c'est les Ivoiriens nouveaux. Voilà. Ce qui est sûr, votre mauvaise foi que vous avez dans votre cœur là, ça ne va rien changer. Voilà. La vérité est là, très bien, clair, tracée. Voilà. Qui les Ivoiriens étaient si la chaîne. Bon, si les Ivoiriens étaient si la chaîne LTI. Pourquoi LTI a retransmis ça sur leur page Facebook? Venez répondre à ça. Voilà. Si LTI a retransmis ça sur Facebook, c'est pour montrer à ceux qui n'ont pas de télévision. Donc, ceux qui étaient sur Facebook, ils regardaient là. Ils étaient plus beaucoup que ceux qui ont de télévision. Donc, c'est ça que les questions, c'est tout. Parce que les sondages ici, là, on ne fait pas ça sur la chaîne de télévision. Voilà, c'est à travers les réseaux sociaux. Voilà, les tweets, c'est à travers ça, on fait les sondages. Voilà. C'est pas si vous êtes allé, c'est pas où vous êtes allé à l'école. On ne sait pas comment on doit vous expliquer. Voilà. Zé Pekenyo, il dit moi-même, je me suis dit ça sur LTI. Ouais, tu as suivi sur LTI, mais c'est pas dit, tu n'es pas l'employé connexion, c'est tout. Voilà.
C'est peut-être pas là pour prendre connaissance. Non, vous connaissez. Vous êtes les adeptes des photos, des captures d'écran. Si Ouattara a fait 25 000 vues, vous allez passer ça même sur votre chaîne télé. Voilà, on vous connaît ici. Vous êtes des frustrés. Voilà. Namogos, il dit quoi? Il dit vous voulez profiter de ce rôle pour mettre la Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas. Son excellence au coup, il dit mon vieux, tu supportes Soro maintenant et Gbagbo. Supporter, depuis longtemps, il dit qu'il le soutient. Et depuis 2007, il dit si Soro il est en conflit avec Ouattara, voilà, moi il me mène derrière Soro. Voilà. Et il a trouvé comme alibi parce qu'il est ivoirien. Maintenant, ceux qui s'en moquent de mon alibi, moi je m'en fous de vous. Hein. Voilà. Chacun a sa manière de voir les choses. Moi je m'en fous de vous. Voilà. Si vous n'aimez pas les ivoiriens, moi j'aime les ivoiriens. Voilà. En aucun cas, jamais je prends parti pour un étranger au détriment d'un ivoirien. Ça, mets ça dans votre tête. Voilà. Ça va être planté dans votre tête ici. Voilà. Et depuis longtemps, il dit ça. Depuis longtemps, il dit ça. Moi, quand il dit, il ne me dédie pas. Hein. Quand il dit là, il ne me dédie pas. Voilà. Moi, je soutiens Soro. Mais soutenir Soro, c'est différent d'être pro Soro. Voilà. Soutenir Soro là, c'est différent d'être un pro Soro. Voilà. Et puis, il peut être pro Soro. Voilà. Je suis libre de militer où je veux. Voilà. Sauf si ça va être clair dans votre tête. Je suis libre, moi, de militer où je veux. Parce que je ne suis pas la solde de quelqu'un. Voilà. Si j'estime que Soro a un bon projet de gouvernement, je peux être pour Soro. Ça fait quoi? Si c'est pour Soro, est-ce que c'est le Burkina va le construire? Ou bien c'est le Libéria? Jamais, c'est encore du voir, c'est un Ivoirien. Donc je suis libre de militer où je vis. Il peut être RHDP. Il peut être FPI, il peut être MFA. Donc en quoi même la position vous dérange? Ah moi ici trop Dieu quoi. Donc si dessin animé, il est posturé ça, la terre va s'écouler parce que dessin animé a choisi le diable. Vous êtes sérieux là? Vous êtes vraiment sérieux? Voilà. Nangen Daouda, il dit vraiment je vois que tu es du lot des frustrés. C'est Ouattara qui est frustré, il y a 4000 vues en 21 minutes, 4000 vues. Un frère frustré. Voilà. 4000 vues en 25 minutes. Moi, même dessin animé, 25 minutes, il fait 6000 vues. En drame, c'est pas bloc. Voilà. Moi, même, attends, il a montré. Il n'y a pas mal vu ici. Moi, même, là, en 25 minutes, il fait 6000 vues. Il le couche même. Il est impopulaire, les gars. C'est la vérité qu'il a. Et là, il dit quoi? Il dit, ton solo savait bien que Draman est burkinabé, comme tu fais croire. Donc, tu dis rien. Bon, moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Voilà. Quand vous parlez, soyez explicite. Et vous venez caqueter sur vidéo des gens. Là. Quand on ne sait pas s'exprimer, bien, on ne sait pas écrire là. On ne vient pas prendre des inepties sur mon truc ici. Pas parler des gens ici. Là. Ouais, Mathieu, c'est comment? Mathieu, c'est comment? Ouais. Toujours au rendez-vous. Les rodeurs, ils sont pleins sur ta page comme ça. Non, parce que. Ouattara n'est pas populaire, c'est tout. Ouais, mais il n'est pas populaire, c'est ça, là, on a bien fait dire. Ben, tu sais, les gars, là, c'est pas aujourd'hui, ils ont commencé ça. Laisse nos gants. En fait, comment on reconnaît un gars, un militant du RDR? En fait, c'est les gars qui ont la mauvaise foi. Ils sont d'accord sur rien. c'est la mauvaise foi. Non, mais tu sais pas, souvent quand tu doutes que ce soit des Ivoiriens, quoi. Non, ils sont bêtes, ils sont moutons. On peut. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Hein. C'est-à-dire que on peut nous pas être d'accord. La Côte d'Ivoire est plurielle, chacun est libre de prendre son pas. Mais un fait, il n'y a pas de commentaire. Au moins, on peut être d'accord si un fait. Mais eux, ils sont d'accord si. Si toi, tu es d'accord avec quelque chose, eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais Ouattara est populaire. Ça, on n'a pas besoin de faire démonstration. On a vu ça hier. Non, mais non seulement on a vu ça hier, mais hier même là, bon, c'est trop actualité. C'est trop flagrant. Humiliation. Voilà, pour hier là, c'est trop humiliation. Allons un peu, allons en arrière un peu. Hier, c'était le RHDP, composé du MFA, Anaki Komina, PDCI, PDI, MPCI, Sorobio, plus le RDR. Ça, c'est ça qui est le grand chose. Donc, aujourd'hui, là, tous les alliés ont fui. Donc, vous êtes populaire comment? C'est vrai qu'on a besoin de mettre dans l'école pour ça.
Sorokin vous a quitté. Bédia vous a quitté. Elle m'a fait vous a quitté. Il est populaire comment? Attends même que Sorokin n'a pas une bonne assise politique en Côte d'Ivoire, mais prenons une partie du Nord. Mm. Mais au moins, il y a des gars qui sont là, ils sont pour Soro. Ça, c'est une évidence. Mm. Le PDCI est parti. Vous êtes populaire pour moi. Expliquez-nous ça. Mais ils vont te trouver que eux sont populaires. Adjoumani va sortir des chiffres. Bon, Sissé Bakou va sortir des chiffres. Tout le monde va venir sortir la fragrance. Bon, ils vont sortir des trucs. Toi-même, tu ne sais pas. Mais bon, eux, c'est ça. C'est la mauvaise foi. Eux, c'est des militants égale mauvaise foi. On ne peut rien faire avec eux. Tu vois? Ouais. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que Ouattara lui-même, là, le 1er janvier, il a 78 ans. Mmh. Il est assez vieillissant. Très, très vieillissant. Ça, c'est âge des papiers. Mais son vrai âge, là, on ne connaît pas. Mmh. Tu vois? Donc, le RDR, vous voulez où? Vous ne voulez pas où? Le pouvoir, là, vous allez perdre. Ce qui est grave dans l'affaire, c'est que ce que vous-même vous sémez, là, demain, là, vous ne pourrez pas récolter. C'est ça le danger. Parce que vous avez le pouvoir, au moins si vous étiez dans l'opposition. Mais ce que vous faites aux gens, là, vous traquez les gens à l'extérieur, vous les traquez en Côte d'Ivoire, personne ne peut parler, il n'y a pas d'opposition. Mais c'est bien. Vous montrez la voie aux gens. Demain, là, ce pouvoir-là, ne le perdez pas. Parce que si vous le perdez, là, les autres vont vous traquer. C'est aussi simple que ça. Donc, pour éviter ça, c'est à vous-même. Vous devez regarder pour dire à vos gars et les gars, avant tout, après tout, on est tous des Ivoiriens. Ah ouais. Donc, attendons-nous sur un truc quand même commun. Ce que nous faisons à nos frères, un jour, on perdra le pouvoir pour ne pas qu'on nous fasse ça. Donc, on n'a qu'à blé. Mais le RDR, ils ne connaissent pas ça. Hein. D'après, dans les calculs, là, eux sont partis pour 50 ans. Mais même 50 ans, ça va finir. Puisque 10 ans, c'est déjà fini, vous n'avez rien vu, dis-donc. Bon, 50 ans, là, ça va arriver. Vous allez perdre le pouvoir. Mmh. Et ce pouvoir-là, quand vous allez le perdre, là, les gens vont vous traquer, mais grave. Peut-être vous allez disparaître, le RDR ne va plus exister. Parce que vous, au lieu de dire à vos dirigeants, à vos responsables, que les frères, ce qu'on fait aux gars là, c'est pas bon. Parce que Soro aujourd'hui dit va faire chemin, donc il faut le tuer. Mais nous, on est d'accord aussi que vous le tuez. Et si vous le tuez, c'est qui? Soro, c'est lui, le. Hier, c'était vous qui vous a fait roi. Si vous le tuez, bah, lui-même le dit, c'est bien fait pour sa gueule. Il n'aurait pas dû le faire pour vous. Il trouve que, aujourd'hui, il ne peut pas dire que. Donc, c'est son problème. Mais et vous-même, vous allez tuer tous les gars, vous allez tuer Bédier, vous allez tuer Babo, vous allez tuer Blé, vous allez tuer Soro, vous allez tout tuer. Et puis vous, vous allez rester. Mais ça ne peut pas, même si c'est mon souhait, ça ne va pas se passer comme ça. C'est ça la réalité. Et les gens seront plus durs. Mais vous allez trouver que hier, yeah, les gens étaient durs avec vous, mais vous ne faites. C'est comme la prison. La prison. C'est pour que quand tu as fait à la loi, tu puisses répondre. C'est pour ça qu'on fait les prisons. Mais quand tu as allé par rapport à ta peine, tu as allé purger ta peine, tu reviens citoyen normal, tu es lavé. Mais la prison peut te rendre faible. Mais la prison peut te rendre dur. Quand tu sors de prison, tu es encore plus caïdi qu'avant. Donc, ce que vous faites aux gens là, ça fait rire. Parce que certains vont fléchir, ils vont à la soupe pour aller manger. Ce qui est normal. Mais il y a des gens que vous rendez encore plus durs. Ça fait combien de temps on est dans cette affaire? Ça fait 10 ans presque, on parle. Est-ce que vous avez vu cet infléchi? Il y a des gens qui ont fléchi, mais les gens sont durs. Or, nous, on est des avertisseurs. On dit, voilà ce qui va se passer. Nous, ce n'est pas nous les hommes politiques. Mais demain, les gens vont écouter nos voix. C'est ce que vous ne savez pas. Donc faites attention. On le dit pour vous, pour nous, pour tout le monde. Ce qu'on fait là, les gens vont faire ça. Parce qu'on va faire ça doublement. Parce que hier, vous étiez dans l'opposition. Certains ont cru en vous. Vous ont dit non, les gars, quand même. C'est nos frères. Ne les traquez pas comme ça. Mais vous êtes au pouvoir. Et vous êtes censé venir. Ce qu'on vous a fait hier. Dites non, les frères. Voilà, c'était pas bon. C'est vous-même qui faites. Mais les frères, c'est ça. Pouvoir là.
C'est ça qui est dangereux. Ouattara est vous, soit il va mourir au pouvoir, mais il va perdre le pouvoir. Ça, c'est Nyarabi sur lui. Soit il va perdre le pouvoir, on ne sait pas comment, mais le pouvoir, lui, c'est ce qu'il va laisser. Et plus qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis, c'est-à-dire qu'il s'est fait tout le monde à dos, aujourd'hui, là. Il faut qu'il traque Soro. Il faut qu'il ait les yeux sur Bédié. Il faut qu'il ait les yeux sur Laï. Il faut qu'il ait les yeux partout. Il a les yeux partout. Mais le vieux, il sera fatigué un moment. Ah, c'est ça. Un moment là, tu seras fatigué. Et poursuivre quatre aboutis à la fois. Quatre aboutis là, le vieux, un matin, tu seras fatigué. Et quand ça t'échappe là, c'est pas bon. Est-ce que la frustration là, elle est trop? Or, vous êtes au pouvoir. C'est pas vous qui devez créer la frustration encore. C'est vous, au contraire, qui devez. Ah, les frères, venez, on va travailler, laissez les histoires de guerre, venez, on est tous des Ivoiriens. Ouais. C'est vous qui est au pouvoir. C'est le pouvoir de faire ça. C'est pas l'opposition. Mais ouais, ouais. Dans l'opposition, ceux qui sont dans l'opposition, c'est pour ça que nous, on trouve qu'on est plus ivoirien que vous. Ouais, ouais. Et ça, là, vous êtes frustré de ça. Parce que normalement, si vous êtes ivoirien, vous savez que si la maison brûle, c'est nous tous qui allons perdre. Mais vous voulez que la maison brûle. Ça prouve que vous n'êtes pas ivoirien. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça la réalité. Parce que vous êtes ivoirien, vous êtes tout fait pour ne pas que ça brûle. Or, vous, que ça brûle. Nous, quand ça brûle là, nous ça nous arrange pas. Mais vous-même là, vous voulez que ça brûle. Ouais, ouais. Mais Dieu ne va pas permettre ça. Ouais, ouais. C'est pour ça que on va se démettre, démettre. Et puis un jour là, vous là, on va vous chasser. C'est tout. Au calme. Mais vous allez. C'est-à-dire que les gens vont vous. Les gens, ça a fait pitié parce que c'est nous les mêmes là encore qui avons fait des vidéos demain pour dire hé hey, les frères, arrêtez, c'est nos frères, tout ça là. Et qu'on va sortir les trucs. Parce que tout ça là, c'est le passé, ça laisse des traces. Voilà comment on traquait les gars. Mais pour un problème de Soro, bon, c'est vrai, Soro veut faire coup d'État. Bon, on va dire qu'il a l'habitude parce qu'il a déjà fait une fois, donc il peut faire 2, 10 fois. Bon, d'accord. Mais Soro veut faire coup d'État là. Bon, on peut attraper Soro, mais si on est obligé d'aller dans son village, aller partout, traquer tous les gars là, mais tu vois, soi-même là, on donne de la valeur à des choses, même soit qui n'en valent même pas. Mais il dit, moi, je ne sais pas pourquoi ils sont surpris. C'est eux qui se plaignent. Mais ce n'est pas par coup d'état qu'ils sont venus au pouvoir. Mais tu sais, voleur là. Voleur n'aime pas qu'on le vole. Voleur n'aime pas qu'on le vole. Voleur, c'est ça qui est son problème. Ah ouais. Or, lui-même, il vient de voler. Mmh. Et puis, on le vole. Et puis, c'est lui qui fait beaucoup et puis, de et bruit. Et puis, il y a comment c'est ridicule aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux. Ils sont allés, c'est Afoucheta Bamba. On dit, elle a les voitures de la primature. Elle a les voitures de la justice. Mais si vous dénichez ces voitures chez elle là-bas, c'est que vous avez aussi des voitures chez vous. Non, mais dessin, ce qu'il faut dire aux Ivoiriens et puis à ceux qui nous écoutent, tu vois, c'est vrai, quand il prend l'âge de Ouattara, c'est vrai, c'est un doyen, le gars est plus de 80 ans, il n'est pas que, c'est pas que lui seul, c'est le goût. Mais tu vois, c'est des gens qui ne se sont pas actualisés. Ah ouais. Ils sont restés dans les anciens films. C'est que les anciens, comment on réglait les points d'avant là? Tu vois, c'est comme ça, Eric. C'est-à-dire, on sort toujours les mêmes regains. Bon, tu voulais faire coup d'État, voilà les armes. Mais c'est, toi, c'est périmé, ça passe pas. Tu vois, c'est trop ancien. Faut se dire un truc. Et puis, on dit ça là, on n'a rien à dire, plus que c'est propre. Mais, allez dire, voilà, fusil ici, lui, il a parlé, tout de revenir, tout ça là. Mais, ça, c'est quoi ça là? Ah, c'est comédie, ils ont dit ça dans les années 80, puis ça c'était dans les années 80, 70, on disait des trucs comme ça. Maintenant, tu as pas les preuves qui parlent même pas ça, le coif. Mais tu n'as même pas une, même preuve, pas du tout. Une justice qui peut aller traquer sur l'attraper même. Vrai, lui-même là, il n'y a rien à dire. Tout le monde est unanime. Nous, on va le prendre en France ici, l'attraper. Allez le mettre dans l'avion, on va l'envoyer à Abidjan. Et lui, lever nuit à tout le monde. Mais tu déjà vois des trucs qui ont sans tête nue que même si Soro, même c'est le diable. Même si Soro est le diable, on ne peut pas l'accepter. Attends, tu as tout le bord, tout l'argent du pays là. Vous ne pouvez pas mettre en quête. Tu as tout le réseau, tous tes amis, tu connais tout le monde. Vous serez Soro dans un truc qui est propre là. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que c'est trop léger. Soro va s'en sortir facilement. Mais c'est trop ridicule. Réal, le truc, on n'entend même pas. Bon, ce que vous avez dit là, quelle institution qui a dit
que ça là, l'audio là, c'est authentique, c'est vérifié, il n'y a rien à faire. Qui a dit ça? C'est vous seul. Donc c'est que. Non mais parlons, même... parlons du flagrant délit de Mandou Touré sur si les. Mais sur, est-ce qu'on est le mot? Est-ce que lui connaît le mot? Est-ce qu'il connaît le mot? C'est ce qu'ils avaient dit. Quand il dit on t'a pris en flagrant délit, est-ce que c'est ce qu'ils avaient dit? Il faut savoir le crime d'abord. Le jeune lui a posé la question, il dit, mais est-ce que les gens avaient des fusils à quoi eux deux? On dit on te prend en flagrant délit, c'est-à-dire qu'on te prend sur les faits. Sur les faits. Et il ne sait même pas de quoi il parle. Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas de quoi il parle. C'est-à-dire que, en fait, quand les Blancs regardent ça, bon, ils rigolent. Mais ouais. Franchement, c'est, tu vois, pour un pays quand même comme la Côte d'Ivoire, où tu vois, 60 ans après, on va dire, après les indépendances, il y a quand même des gens excellent dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'intelligence en Côte d'Ivoire qu'on voit des ridicules, des gens comme ça. Tu vois, les Blancs ne peuvent que se moquer. Mais c'est, on est dans les républiques bananières. C'est du grand n'importe quoi. Rien. Parce que moi, je sais que les Blancs, ils ne peuvent jamais abriter un déstabilisateur. Ça n'existe pas. D'accord, moi ou pas? Mais c'est clair. Mais puisque eux-mêmes, là, tu vois, en fait, la réalité, ils se sont gouffrés sur le problème ivoirien. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Parce que voilà un groupe de voyous qu'ils ont mis, tu vois, à la tête d'un État. Eux-mêmes, ils ne peuvent plus se faire harakiri. Tout est ridicule. Ouattara, il est intellectuel. Il est entouré d'esprits, des gens qui ne sont pas là à l'école, des analphabètes. Et puis, on est dans un truc de... On ne sait plus quoi dire. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, voilà un gars qui dit qu'il est ministre de la jeunesse. Et puis qui vient pour pondre des âneries comme ça, franchement, c'est regrettable. Nous tous, on déteste Soro. Nous tous, on sait qui est Soro. Nous tous, on sait ce que Soro a fait dans ce pays-là. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour aller dire « Ouais, Soro, c'est rentré ici. » Soro, il est dans un seul schéma. Je vous ai aidé. J'étais dans la maison. Vous me devez quelque chose. Ça, c'est entre vous. Mais si vous devez prendre Soro parce qu'il est un élément gênant dans l'appareil, prenez-le sur des vrais faits. Des vrais faits, ouais. Il n'y a rien à dire. Soro, même lui-même, il ne peut pas parler. Mais quelqu'un, on dit audio. On n'attend même pas ce que vous dites. Ah ouais. Mais, bon, c'est où? C'est le FBI qui a dit que ça, là, c'est propre. C'est qui a dit ça? Qui a certifié? Qui a authentifié ça? Qui a authentifié ce que vous dites là? Les écoutes. Personne du tout. Bon, c'est pas un projet ivoirien, c'est un projet qui est devenu international. Donc, vous ne pouvez pas vous lever comme ça pour dire, bon, il y a un mandat d'arrêt, viens répondre, tu es tueur, tu as tué celui-là, tu as tué celui-là. Bon, d'abord, chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu une enquête qui a commencé et qui a abouti jusqu'à la fin. Donc, pourquoi c'est Moussoro-là qui a commencé aujourd'hui? Et puis, ils font des trucs à la con. Tout de suite, on fait un truc là, demain on a le résultat. Mais ça, c'est la voyousie. C'est la voyoucratie. Tu vois, on s'élève là, tu as volé l'argent aujourd'hui, quand on n'est pas d'accord avec toi, on va faire audit sur toi, parce que tu es... Le maire du plateau, Akosi Banjo, il a volé 5 milliards, mandat d'arrêt contre lui. Toi, le représentant du Boité, non, il y a fusil dans ta maison, on ne peut pas prouver. Tu vois, c'est... On prouve, ça prouve que, tu vois... On est encore dans des états de jeûne, tu vois. Une police, une justice, un état de droit. Quand tu accuses quelqu'un là, c'est toi qui envoies les preuves palpables, indiscutables. C'est ce que font les Blancs à qui on veut ressembler là. Les Blancs là, quand ils te traquent là, tant qu'ils t'ont pas eu, ils t'ont pas serré là. Mais on te laisse. Et puis eux là, pour t'interpeller, il faut que toutes les preuves matérielles soient réunies. Il ne faut pas qu'il y ait des failles. Mais c'est pour ça que c'est la différence que chez nous, là, ok, chez nous, puis on vient dire, ouais, mais vous, là-bas, il n'y a rien, vous êtes là-bas, nanani. Mais ici, là, il y a un minimum, le droit, là, il y a un minimum. C'est respecté. Tu vois? Voilà, il y a un minimum. C'est pas le top des droits, mais il y a un minimum. Le béaba. Chez nous, il n'y a même pas de minimum. Policier te frappe, Richard Adou s'élève là, j'ai audio, tu voulais faire tant, lui, il est là, et puis viens. Voilà, on te prend parce que c'est le... Et puis on frappe les gens, on les met en prison parce que voilà, il faut faire ce que Ouattara veut. Ça, c'est pas des états de droit, les frères. On est dans la jeune. Ouais. Demain,
quelqu'un d'autre va venir, il va faire pareil. Doter la police des moyens conséquents, techniques. Laissez les juges faire leur travail convenablement. Vous allez voir, on va avancer petit à petit, on va sortir dans les états de non-droit là. Parce que c'est à cause du droit qu'on n'est pas dans la jungle. C'est à cause du droit qu'on n'est pas dans la jungle. Sinon, chacun peut aller prendre l'argent ou bien la maison de l'autre ou bien la voiture de l'autre. Il faut un minimum. Ouais. Donc, il n'y a pas ça. Tu vois, donc on peut ne pas aimer Soro, on peut être contre lui, mais quand même, il y a un minimum. La manière. Il n'y a même pas la manière. Ouais. La manière, il n'y a même pas. Et puis, nous, on a trouvé que, tu vois, franchement, c'est du théâtre, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui va attraper Soro. Eux-mêmes, ils ont peur de Soro. Mais ils savent que s'ils l'attrapent, qu'ils le mettent en prison, après, ça va faire plus de cafouillage même. Tu vois? Donc, ils ont eu peur de l'attraper pour. Pourquoi ils ne veulent pas attraper Soro? Sinon, Soro a dit qu'il rentrait. Donc, si vous voulez l'attraper, là, vous attendez, vous prenez vos sang, vos trucs froidement. Quand il rentre, vous mettez le bras sur vous et voir ce que ça a donné. Vous n'avez jamais voulu attraper Soro. Et bien, ils se sont effrayés, même. Ils se sont effrayés, maintenant, ils sont là, maintenant. Oui, il veut faire coup d'état. C'est lui-là qui a fait ça, c'est lui-là qui n'a pas fait ça. C'est Wattao, ce sont ces gars, c'est lui, on s'est attrapé les pauvres. Sinon, moi, il me rappelle, quand on accusait tous les programmes d'avoir fait coup d'état, on prenait des âmes et on prenait des gens. Des gens qui étaient sortis d'être passés dans le coup. Mais eux, pour eux, ce qui est bizarre, c'est marrant, c'est seul celui qui fait le coup d'état. Mais et ces éléments-là, ces militaires, on n'avait pas attrapé un. Non, mais c'est. Tu vois, ça, c'est ça qui. Quand tu regardes ça. Tu vois, quand tu viens en France, tu viens aux États-Unis, au Canada, tu vois qu'il y a la neige ici, il n'y a rien, chez nous, il y a tout. Mais on est à des années-lumière des Blancs. Ouais. Mais les Blancs ne réagissent pas comme nos parents réagissent là. Pourtant, on a fait des études. Tous les gars là, tu vas voir les Adou Richard. Il va te faire un CV, il a fait études, d'autres ont fait études aussi en Europe. Mais quand ils arrivent chez nous, là, ils oublient tout ça. Là. À cause de l'argent, ils s'en foutent. Voilà. Tant qu'il y a l'argent, tant que c'est le boss, voilà, le droit, on peut mettre ça à la poubelle. Mais ce n'est pas comme ça. Ouais. Des gens sont en prison, leurs avocats n'ont même pas le droit d'aller les voir. Ça, on est dans quel pays, là? C'est des choses basiques dans un pays. C'est-à-dire que ton avocat doit prendre connaissance des choses. Ça, c'est, si tu acceptes d'avoir un avocat, ici même, on te donne un avocat d'office, si tu n'as pas les moyens. Mais chez nous, même, tu n'as pas les moyens, donc tu n'as pas droit à un avocat d'office. Mais si tu as les moyens, ou bien quelqu'un, un avocat veut venir, parce que, bon, peut-être dans le cas de la famille, il y a quelqu'un, un avocat, mais normalement, il doit avoir accès à ton dossier pour qu'on puisse voir pourquoi les gars, tu es déféré ou bien tu es incarcéré. Ça, c'est le minimum. Mais les gens ne veulent même pas. Ça, c'est quelque chose. Mais tu vois, quand je dis que les gens du RDA, ils sont idiots, là. Il y a un gars qui met en commentaire ici, Ben Oumar Touré, il dit, mais Aoufichata Bamba, l'ami reconnaît, les écoute. T'as vu? Mais est-ce que les gens, ils n'ont pas lié? Mais ils ne sont pas intelligents. Le problème, c'est pas de reconnaître ou de ne pas reconnaître les écoutes. Eux disent qu'ils reconnaissent les écoutes, ça date de 2017. 2017. Bon. 2010, on est en 2020. Mmh. Bon, ça fait bientôt 3 ans. Mmh. OK? Mmh. Donc, un truc de 3 ans, là, c'est pas aujourd'hui, on a sorti, parce que Soro dit, je veux plus être au RHP. Tu vois, c'est trop flagrant. Ouais, ouais. Il faut chercher quelque chose où les gens, les ménages, là, on travaille les ménages, on réfléchit un peu, puis on dit, ah, l'affaire est compliquée. Non, mais où les gens pouvaient couler Soro, ils ont parlé de 300 tonnes d'âme, là. C'est ça, ils avaient présenté. Mais où sont les 300 tonnes d'âme? Mais c'est même pas ça. C'est où sont les 300 tonnes d'âme? Il y avait ça. Mais il y avait une année où, j'ai plus les dates là, où il y avait les mutins qui s'étaient un peu révoltés parce qu'ils demandaient les 17 millions, les 8400. Donc les gars ont commencé à tirer, Ouattara il a eu peur, ou bien il était sorti, il a allé au Ghana pour un truc là. Mmh. Et puis il avait peur d'y rentrer. Ah ouais. Mais Soro pouvait prendre le pouvoir là tranquille. Ah ouais. Puisque le pouvoir était vacant, Ouattara a fui. Ah ouais. Mais Soro était là. Il a calmé, c'est lui-même qui allait chercher Ouattara à l'aéroport où ça chauffait là. Ouais. Mais lui, c'est un fuyard. Il est toujours en train de fuir, sauter clôture, fuir dans l'avion, voilà, fuir dans l'hélico. Donc non, c'est pas. Voilà, c'est pas une affaire de. Voilà, Soro, voilà. C'est des gens, les Soro, où elle est posture. Soro, il est resté dans un truc de. On connaissait pas un monsieur, on l'a servi, on est resté lui jusqu'à la fin, mais il connaît beaucoup de secrets, c'est pas à lui de venir. C'est pour ça.
Soro va rien dire, tu vois. Soro n'a jamais... Moi, j'ai jamais vu Soro parler mal de Ouattara. Tu n'as jamais vu ça? Jamais. Il a toujours couvert. Il a toujours couvert le gars. Il a toujours couvert le gars. Parce qu'il sait que il est dans les mêmes sales draps que le gars. Ils ont fait les mêmes bêtises. C'est son gars, il le respecte. Et puis les gens, les militants du LDR, les militants du LDR, LHDP, ils savent que Soro a toujours couvert Ouattara. Ils le savent très bien. Mais comme ils sont de mauvaise foi, ils sont en train de piailler comme des cons. Mais simplement, c'est que Soro, Soro le sait maintenant au fond, il a vu le fond du fond. Il s'est dit que à la lueur où vont les choses, le LDR va confisquer le pouvoir et puis ça va partir dans beaucoup de sens. Là, eux ils ne sont pas prêts pour laisser le pouvoir. Tu vois? Donc, ils vont tout mettre en œuvre. Et c'est ce qu'on voit. Là, Soro ne peut pas rentrer. Ça, c'est clair. Bleu ne peut pas rentrer là à 20 ans. Babou à 20 ans. Bon, peut-être Bédier même, il va donner sa candidature, ils vont jeter. Bon, donc, il n'y a personne. Donc, les candidats, c'est Afin Guessant et puis Mohamed Coulibaly. Bon, ils vont faire semblant d'élection, ils vont cadrer et puis ils vont conserver le pouvoir. Maintenant, eux, c'est une manière de dire, venez nous enlever en bris. Voilà, c'est tout. Voilà le plan. Donc, il n'y a rien derrière. C'est venez nous enlever en bris, sinon on ne quitte pas parce qu'eux-mêmes savent, ils l'ont dit, le jour où on perd le pouvoir, on ira tous en exil. Parce que la méchanceté dont ils prennent pour exercer ce pouvoir-là. Et ça, des idiots du LDR sont pas capables de pouvoir raisonner face aux mots que eux-mêmes les gars ont dit. Mais pourquoi tu dis ça? C'est peut-être que tu te culpabilises. Si on perd ce pouvoir, on ira en exil. Mais pourquoi vous dites ça? Si vous avez été choisi, pourquoi vous allez en exil? Pourquoi tu allais en exil? C'est ça la logique, tu vois. Mais eux, c'est-à-dire que c'est ça qui trompe les gens là. Tu vois, si c'est un truc de famille, vous êtes là, tu vois, c'est un truc qui concerne votre famille. Donc quand ça chauffe, vous dites non, mon frère, tu es un ami de la famille, ou bien toi, tu ne fais pas partie de votre famille. Mais c'est un truc du pays. Ouais. Le pouvoir, là, ça blague. Un matin, les choses peuvent changer. On te lève, moi, je ne souhaite pas, on est en début d'année, tu vois. On dit Ouattara est mort. Panique à bord. Panique à bord. Mais ils vont paniquer, hein. Ils vont paniquer. Tu comprends? Donc le pouvoir là, c'est pas vous, c'est ce qu'ils font là. Tu vois, un matin là, on a dit Ouattara, il était venu une année en France ici, il était malade là. Mais c'était chaud. Il est sorti, il avait Cannes, c'était chaud. D'autres disent que ouais, il est mort, des trucs comme ça. Tu vois? Donc le pouvoir là, tu as vu, on était là, hein? Tu as vu Ali Bongo? Un matin, le gars est paralysé. Peut-être les jeunes, un matin. Tu vois, là, il est au Gabon, c'est plus Ali qui est là, tu vois. Voilà, donc, c'est... Et puis, avec tout ce qui se passe, les frustrations, il y a des gens qui sont dans le pays qui aiment Soro. Il y a des militaires qui aiment Soro. C'est comme quand Guéhi était là. Quand Guéhi, à un moment, il n'a pas voulu laisser le pouvoir, et puis il est parti avec une partie de l'armée, il est parti. Voilà, il y a des gens qui ont suivi Guéhi parce qu'ils ont trouvé que voilà, c'est les vieux bains. Eux, voilà, ils se reconnaissent en Guéhi, ils sont partis avec lui. Tu vois? Donc, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans l'armée, qui ne parlent pas, qui sont frustrés de voir ce qui se passe. Et ils ne sont pas d'accord avec ça. Ce n'est pas parce que les choses se passent et puis, voilà, apparemment, tu vois, il n'y a pas de secours. Les gens ils connaissent militaire. Militaire camerounais, militaire chef, parole d'un. Tu vois? Donc, eux-mêmes là, ils savent qu'ils sont assis sur une poudrière, tu vois. Mais un matin là, ça va s'exploser dans les yeux à cause de leur méchanceté. Mais c'est pas nous qui le disons. Nous, on n'est pas LDR. C'est eux-mêmes, leurs militants qui disent ça. Les gens du LDR, ils sont très méchants. Ils sont méchants. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Mathieu, clôture, il y a bon an. Moi, il y a Okay, non. Ok, donc c'était juste pour te souhaiter bonne année et puis à tout le monde. Sans oublier, voilà, de souhaiter bonne année au président Laurent Gbagbo, c'est important pour nous. Ouais, c'est notre référent. Donc à travers ta vidéo, je souhaite une très bonne année au président Laurent Gbagbo. Que Dieu le garde et puis que Dieu te garde. Merci et puis à bientôt. Mon cher. Ouais. Ok, merci. Ciao. Bon, les gars, ceci étant, le but du direct, c'était pour venir décortiquer l'actualité politique qui prévalait sur les réseaux sociaux, à savoir mon commentaire sur la sortie de Soro et la sortie de Moumouni Draman. Voilà, moi, c'est mon avis, selon mon opinion. Voilà. Cette vidéo, cette sortie de Soro a démontré par A plus B que Ouattara est impopulaire en Côte d'Ivoire. Voilà, il est en chute libre parce que de nos jours, les élections de le monde entier
se font par des sondages. Il faut sonder pour voir qui a la cote de popularité ou qui ne l'a pas. Voilà. Et c'est dans ce but, Soro a lancé sa vidéo hier à 20h. Il y a des gens qui sont venus faire des commentaires. Non, c'est une vidéo préenregistrée. On s'en fout de si c'est une vidéo préenregistrée. Tout qu'on fait, c'est pas un robot qui parlait, c'est Soro qui parlait. Même s'il lisait, même s'il regardait le mieux pour lire. Voilà. C'est le message qui est porté, c'est tout. Moi, le message, il ne m'importe pas. Mais ce qui m'importait, c'est le fait qu'il ait coursécuté Ouattara. Et il a bien coursécuté. Parce que le gars a fait son direct à 20h, l'autre a fait son direct à 20h, et on a vu que l'autre était plus suivi que l'autre. On me dit non, que le gars il a parlé sur la LTI, que c'est la LTI qui importe. Certes, c'est la LTI qui importe. Chacun communique où il a accès. Soro avait accès à Facebook, il a communiqué par Facebook. Mais vous qui avez la LTI, pourquoi est-ce que vous avez retransmis votre direct sur Facebook? Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez retransmis votre direct sur Facebook? Voilà. Donc il y a le hic qui se pose. Donc, Soro a démontré à l'opinion nationale et internationale que Ouattara n'est pas majoritaire. Voilà. C'est ce qu'il faut utiliser tout. Le reste, c'est le blabla. Voilà. Si ce, ciao, ciao. On est ensemble.